Coucou les copines, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça va être un big mukbang. J'ai plein de trucs à vous raconter les filles parce que hier je vous ai pas fait de weekly vlog. Je vous ai pas posté de weekly vlog. Ah non, dimanche je vous ai pas posté de weekly vlog. Et lundi je vous ai pas fait de vidéo non plus. J'ai délaissé mes kitsuki ou quoi? Juste avant les filles, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors les filles, j'ai pris plein de trucs. Oui les filles, j'ai un peu abusé. Sachant que je suis au régime. Mais là, je vais pas vous mentir, je commence à en avoir ras le... Oui, ras le sang, quand vous pensez de ce régime. J'en peux plus. Ça, là clairement, ça y est, je le dis, les filles. Là, je le dis. Je veux plus faire de régime. Ça y est, j'abandonne. Je sais que les filles, vous êtes plein à me dire, Soukaina, t'as grave maigri. Regardez, on voit même ça, là. Et je suis contente, je suis sur la bonne voie. Mais par contre, je me gratte. Là, j'ai besoin de manger. Donc, de temps en temps, je vais m'octroyer des jours comme ça où je me fais plaisir, où je mange ce que je veux. Donc j'ai pris une petite salade, ça va, une petite salade avec des petits croutons comme ça, à la chèvre, des pâtes, plein de trucs, des onion rings, des extra fromage de chèvre, crusty chèvre, et j'ai pris deux fish. Trop bon. Et bien sûr, j'ai pris des fruits. Et j'ai pris un coca que je vais transfuser dans mon... Ou alors, c'est pas grave. Non, c'est pas la peine. J'aurai la flemme de le laver après. C'est pas grave. Coca chérie, qu'est-ce que ça fait du bien. La pire des choses, c'est de faire un régime, vraiment. Mais après, les filles, vous allez me dire, oui, tu fais un régime et tu manges exactement la même chose. Oui, mais à des portions réduites. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire, les filles. Et j'ai oublié le fourchette. Dira. Et j'ai plein de choses à vous dire, les filles. Mais juste avant, je voulais vous prévenir que cette vidéo est sponsorisée par Halloween. Halloween, c'est une application de rencontre, les filles. Vous pouvez vous y inscrire pour diverses raisons. Ça peut être, bah, par exemple, si vous... Non, je rigole, les filles. C'est nul comme blague. C'est nul comme blague. Je savais pas comment détendre l'atmosphère parce que c'est l'atmosphère, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo. C'est très nul comme blague. C'était la blague que j'avais notée dans mon carnet. C'était nul comme blague, c'était nul. Pourtant, j'ai tout préparé. J'avais écrit la blague ici, mais finalement, je suis pas allée jusqu'au bout parce que c'est nul comme blague. Ah, je sais plus quoi vous faire comme blague. Et c'est vraiment un bordel là. Faites attention, les filles. Tout ça, je vais refaire. Je vais refaire la déco de ma chambre. C'est un peu n'importe quoi. Bref, alors, attendez, je mets la sauce César. Il y a des frites. Il s'est passé plein de petites choses, enfin non, pas plein de petites choses, mais bon, comparé à d'habitude. Alors, dimanche, je vous ai pas posté le week-end parce qu'on est allé chez mon oncle. Il n'y a pas de mouchoir, par pitié. Il n'y a pas de mouchoir, oh non, tira, je vais pas me relever pour aller chercher un mouchoir, par pitié. Pourquoi ils font ça, ils mettent pas de mouchoir? Non, mais il m'en faudra un, de toute façon, pour la suite, il m'en faudra un. Bon, c'est pas grave, bon. Et du coup, je vous ai pas posté le weekly vlog, je vous le posterai là en semaine. Je vais rajouter d'autres petits trucs parce que de toute façon, il n'était pas hyper intéressant. Elle est belle la salade. Il y a de l'émental. Lundi, je devais avoir un shooting avec Shepi Shep. Vous savez que c'est une marque de vêtements que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je travaille avec eux. J'aime trop leurs vêtements. Mais j'avais quand même décidé d'arrêter d'être modèle parce que c'était pas quelque chose que j'aimais faire, être modèle. Et du coup, je leur avais dit non. Je leur ai dit oui, bien sûr, pour recevoir les vêtements, pour en parler, etc. Mais plus pour faire modèle, j'aime pas. Du coup, elles avaient trouvé une nouvelle modèle. On m'a envoyé les vêtements. J'ai même porté un pyjama là, la abeille, avec vous dans un live. Et ensuite, j'ai envoyé un message. J'ai dit c'est quand que je pourrais faire le haul parce que je veux trop montrer les vêtements aux filles et tout. Et là, elle m'a dit, Soukaina, je suis dégoûtée. En fait, la modèle qu'ils avaient pris et avec qui ils ont shooté toute la collection, elle leur a demandé de supprimer les photos parce que son boyfriend, son mec, et ben, il a pété un câble en voyant...
Et du coup, bah, je pense qu'il y a dû y avoir des histoires entre eux. Et du coup, elle envoie un message à la marque en disant: je suis vraiment désolée, mais tu dois supprimer, etc. Ça m'a énervée pour eux parce que ça se fait pas. Tu vas shooter. Ben, si vraiment ton boyfriend il te met des restrictions, bah, vois avec lui, il lui cache pas. Ou alors, si tu veux lui cacher, bah, cache-lui bien. C'est pas genre à la fin, tu lui avoues et au final, tout le travail de la personne, enfin, c'est n'importe quoi. Ça m'a grave énervée. Elle m'a dit: du coup, on va retarder le temps de trouver une nouvelle modèle, etc. La collection, elle va pas sortir maintenant. Et là, j'ai réfléchi. C'est que je leur ai proposé une petite souki. Je vous parle souvent de Rizlaine, vous savez, la fille qui était dans l'hôtel à Marrakech avec moi et qui m'a reconnue, et depuis, et qui m'a reconnue, qui m'a dit: ah, Soukaina et tout. Je suis une petite souki, je te suis sur YouTube. Et depuis, bah, on avait passé 4-5 journées ensemble à l'hôtel. On est devenus super amis. Même en rentrant en France, même là, vous savez ce qui se passe avec Maldas et tout. Je lui ai raconté tout en audio. Je lui raconte tout. On est devenus vraiment copines. On se parle souvent sur WhatsApp. On se voit pas parce qu'elle habite en Belgique. Bref, je vous la connais, je vous ai déjà parlé d'elle. Mais je ne vous ai pas parlé d'Héloïse, qui est aussi une petite souki, qui est devenue vraiment ma copine. Du coup, je leur ai proposé à chez Pichep, je leur ai dit: franchement, allez-y. Et cette fille-là, on dirait c'est ma jumelle. Et les filles, je vous jure. Et même Sarah qui l'a vue, elle m'a dit: ouah, c'est choquant comment vous vous ressemblez. Bon, c'est vrai, il y a les lèvres, mais c'est pas que les lèvres. C'est pas toutes les filles qui ont des grosses bouches qui se ressemblent. Non, elle, c'est pas que les lèvres, c'est vraiment, on se ressemble. Je vais essayer de vous mettre des photos juste là, de nous deux ensemble. Et je vais vous les mettre après, les photos. Attendez, je finis et je vous les mets en même temps. Bref, et du coup, j'ai dit ça à Héloïse. Héloïse, elle m'a dit: je veux pas y aller toute seule et tout. J'ai dit: elle est pire que moi, elle est grave timide. Donc je me suis dit: ok, je vais avec elle. Et du coup, je l'ai accompagnée. Et au final, on a fini par shooter ensemble. On a fait des mois et les photos, ça a super bien rendu. Vous verrez sur le site ChipChip, je vous les mettrai là. Mais franchement, j'étais super contente. Je vous mets les photos là. Hein. Franchement, on s'en sent pas grave. On dirait pas, on est des jumelles, franchement. Et c'est pas que la bouche, hein. Je sais que vous allez dire: oui, mais c'est normal. Mais non, même dans le visage, on se ressemble, je trouve grave, moi. Je trouve qu'on se ressemble grave. Et on fait la même taille. Moi, je trouve qu'on se ressemble grave. Bref. Ça, c'est ce que j'ai. Du coup, dimanche, c'est parce que j'étais en famille. Et là, lundi, c'est parce qu'il y a le shooting. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Je suis allée chercher Héloïse jusqu'à Enghien-les-Bains. C'est extrêmement loin. Et ensuite, de Enghien-les-Bains, on est allé jusqu'à Valenton dans 94. Waouh! Voilà, ce sont le mont. Ah oui, j'avais fait ça aussi. Trop moche. C'est des petits bonbons à l'action. C'est bon. Framboise, ça. Et ça, c'est pastèque. Trop bon. Enfin, bref. Franchement, ça m'a fait du bien un peu de voir des gens. Et comme c'est une petite souki, bah franchement, j'ai jamais ressenti aucune gêne avec elle. C'est différent quand c'est des petites souki, je ressens pas de gêne, je sais pas pourquoi. Enfin, ça dépend de soi, mais souvent, non. Elle est vraiment trop gentille. Je lui avais préparé un sac, vous savez, de vêtements. Parce que j'ai plein de vêtements, justement, que chez Pichet, puis il m'envoie. Et du coup, j'ai préparé un gros sac. Et elle a oublié le sac. Je suis dégoûtée d'un côté passager. Mais pas grave, parce que du coup, on se reverra. Pour les redonner, on se reverra. Je voulais présenter aux petites souris ma nouvelle petite copine. Elle a 26 ans et elle est d'origine gitane. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir de tes petites souki? Je lui demanderai si un jour elle veut faire une vidéo avec moi. Ça va être grave bien. Vous allez voir double. Double. Elle et moi. Double. Dites-moi si vous trouvez qu'on se ressemble ou pas. Ok les filles. Et voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Bah c'est tout, là c'est bientôt l'arrivée du ramadan, j'ai trop hâte. Vous savez la blague que je vous ai fait tout à l'heure sur le site de rencontre là? Vous savez qu'il y a vraiment un site qui m'a contacté
en fait de rencontre musulman, genre que pour les musulmans, qui m'a contacté en me disant on a regardé un peu tes vidéos, on aimerait beaucoup que tu en parles. Déjà, ils m'ont dit on aimerait beaucoup que tu en parles et tu peux même tester si tu veux pour ton chéri. En plus, ils m'ont proposé une enfin, ils m'ont quand même proposé une belle somme. Pardon. Mais après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas envie d'encourager. Même s'il y a rien de mal, hein, mais il y a. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Je me vois pas vous encourager à aller là-dedans, ça se voit que ça se voit que c'est de la merde. Ça se voit qu'il y a des gens pas sérieux, c'est tout. Surtout que là, le brief en gros qu'ils m'ont envoyé, c'est en mode, je dois dire, le fils, c'est une blessure, en gros. Ça a fonctionné, 60% des gens, ils se sont riés marre, ils se sont wedding, etc. Donc, je peux pas prendre le risque de vous raconter ça alors que je le pense pas. Je le pense pas moi-même. Enfin bon. Les filles, j'ai égalisé mes cheveux. Les filles, vous m'avez manqué. Oh, ça fait que 2 jours, hein. Mais ça m'a manqué. J'ai égalisé mes cheveux, ça y est. Ça y est. Normalement, moi je voulais pas. Hein, mais là, vous m'avez presque obligée. Du coup, je me sentais obligée là. Je me sentais obligée avec vos commentaires et tout. Je me disais, c'est pour écouter, ça se trouve, t'es dans le déni. Vous aimez ou pas? J'ai coupé toute seule. Je sais pas de derrière ça fait comment. Elle est super bonne cette petite salade les filles, si vous voulez, à Burger King. C'est la salade avec des pâtes et de la fromage de chèvre. Elle met aussi des mentales dedans. Et la tomate séchée, par contre la tomate séchée j'aime pas. Franchement la tomate séchée. Quel intérêt, tomate séchée. Elle est séchée, ça sert à quoi? Je suis pris ça, meilleur chips du monde en fait. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs Lay's du monde, c'est celle-ci. C'est les Lay's fromage de chèvre. Trop bon, incroyable, vraiment. Goûtez. Somptueux. Somptueux, vraiment. Et pour le coup, ils ont été forts en termes de réinterprétation du goût. Putain, chouette. Laissez-moi dire les mots que je veux. En gros, c'est vraiment du fromage de chèvre, là. Très délicieuse. J'ai la vie de manger, vraiment. Qui n'aime pas manger? Ah ouais, il faut que je fasse la miniature. Je me rends compte que je fais jamais des vraies miniatures sur mes vidéos et tout, donc je sais pas quoi, je sais pas comment faire en fait. Qu'est-ce qui peut donner envie aux petites souquilles de regarder la vidéo? On va voir celui-là. Ah, il est tout plat. J'aurais dû faire avant en fait tout ça. Sinon on peut faire un truc un peu original genre. Je sais pas en fait. Ouais comme ça. Ah bonne idée. Vous allez croire que c'est un nouvel hamburger. Ah, tu fais pitié de Skyna, je sais pas. Je déteste faire les miniatures. Je suis bloquée là, je sais pas quoi faire. J'ai été un peu trop gourmande, donc le hamburger, je vais le manger plus tard.
Il n'y a pas de gaspillage de fil. Hein. On va pas jeter un hamburger tout frais là. Il en est hors de question. Je vais le manger devant ma série tout à l'heure. En ce moment, je regarde Red Rose. Sarah, elle m'a embarqué dedans. Je regarde. Pour l'instant, ça va. Après, à voir. Ah ouais, non. Oui. On s'est tout dit. Je vais manger ça tout à l'heure. Du coup, là, le weekly vlog, il vous sera posté normalement demain. Demain, à 19h, weekly vlog. Et je vais rajouter juste des petits trucs parce qu'en fait, il y a presque rien dedans. Parce que cette semaine, j'ai vraiment rien fait. Vraiment rien fait, à part le shooting de dimanche. Mais toute la semaine, j'ai rien fait. Genre même les trucs de base que je fais d'habitude, genre sortir, accompagner ma mère, faire les courses et tout. On les a même pas fait. J'aurais pu en profiter pour faire mes candidatures de master, mais bon. Et voilà. Hein ? J'espère que mes cheveux vont pousser vite. Vous retenez bien la taille. S'il pousse bien, ça veut dire que le zinc, ça fonctionne vraiment. Parce que là, je suis bientôt... je suis à la moitié de la cure. Et généralement, les cures comme ça, c'est quand tu finis tout, que tes cheveux commencent vraiment à pousser. C'est quand tu arrives vers la fin que tes cheveux commencent vraiment à pousser, normalement. Donc, retenez bien. Là, la longueur de mes cheveux. Je vais même screen moi-même. Et normalement... Et on verra. Soit ils vont rester bloqués encore comme quand je venais de les couper, ils ne poussaient plus, je ne sais pas pourquoi. Ou soit ils vont pousser, on verra. On verra. En tout cas, je vous dirai si le zinc là de NHCO, il fonctionne vraiment bien ou pas. Bon, les petites cookies, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain 19h pour le weekly vlog. Merci d'avoir partagé ce repas avec moi, les petites cookies. Je vous aime fort. Je vous souhaite que du bon dans votre vie, très sincèrement. Souvent, que peu importe hein, que vous soyez croyant ou non, bah, sachez que souvent, je demande à Dieu de... vous facilitez tout dans la vie parce que ben, on n'aime pas avoir, c'est normal, c'est la vie hein, d'avoir des chagrins, c'est la vie d'apprendre certains malheurs, c'est la vie de traverser des choses difficiles, mais toujours je souhaite, prenez soin de votre cœur les petites soukis, prenez soin de votre tête, c'est le plus important, la tête c'est la machine de tout, c'est le cerveau, c'est tout. Si on perd le cerveau, on perd tout, vous vous rendez compte? On peut perdre un rein, on peut avoir des poumons défectueux, on peut avoir un cœur voilà, qui bat un peu. Qui... Ah, Tsuki, mais arrête de t'embarquer dans des sujets que tu ne maîtrises pas. Non mais voilà, on peut avoir un cœur un peu endommagé, on peut avoir une circulation du sang pas très bonne, on peut être en manque de fer, on peut être en manque de ci, on peut être en manque de ça, on peut avoir, je sais pas, mais... Le cerveau, par contre, là, c'est tout. Quand le cerveau est touché, c'est fini. C'est fini. Quand le cerveau est touché, c'est fini. C'est fini. Le cerveau, machine du corps. C'est là que tout se passe. Prenez soin de votre cerveau, vraiment, les filles. Ah, comment on prend soin d'un cerveau? Comment on prend soin d'un cerveau? Non, mais prenez soin de votre cerveau. C'est votre tête, en fait. C'est l'esprit aussi. Prenez soin, ne vous rendez pas malade. Ne vous rendez pas malade. Par exemple, moi, je suis la pro de l'auto-sabotage. Je me rends malade pour un rien. Comme là, ce qui s'est passé pour les poissons. Vous vous rendez compte comment je me suis rendue malade? Pour rien. C'est rien. Et j'étais là, quand je les croise. Quand je marchais avec deux, alors que je leur ai acheté un bocal. Il n'a rien à voir avec l'autre. Il est grand, ils ont des trucs. Mais à chaque fois que je pense à côté d'eux, je me dis, qu'est-ce que tu viens de faire, Soukaina? Qu'est-ce que tu viens de faire, Soukaina? Tu viens d'emprisonner des pauvres poissons. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu te rends compte, là? On est dans quel monde on est? Bientôt, on va vivre en... Bientôt, je sais pas, ça se trouve en 2070, on sera, nous, emprisonnés par des, je sais pas, des mutants. Et ils trouveront peut-être que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Et j'étais en train de me rendre malade, en train de me dire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as fait, en plus, je les ai achetés en animalerie. Et je condamne les animaleries, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je pensais que botanique, c'est, je sais pas, en fait, botanique, je pensais, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. À ce moment-là, je saurais même pas vous expliquer. Et je me suis rendue malade, quand je vous dis que je me suis rendue malade, c'est vrai. C'est que vraiment, je me suis rendue malade. Et j'étais là, je les regardais, je voulais pas les voir. Je voulais pas les voir. Je les ai mis dans la salle de bain. J'ai mis le bocal dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. Et après, ma mère m'a dit, non, tu vas pas dans la bocal dans la salle de bain. Et du coup, elle les a remis dans le salon. Parce que ma mère les aime beaucoup. Mais moi, je voulais plus les voir. Vraiment, ils m'ont rendu. Ils me rendent toujours malade, les filles. Je les veux plus. Je les veux plus. Non, je les veux. En fait, c'est juste quand je pense au fait qu'ils sont malheureux, et ben je les veux plus. Mais quand je pense au fait qu'ils sont heureux, ben, ça me fait du bien. Je me dis, mais non, ils sont heureux, ils sont là et j'aime bien. C'est quand je pense au fait qu'ils sont malheureux, et ben là, je me dis, voilà. Enfin bon, bref, les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour le nouveau weekly vlog.
plein de bisous les petites souquilles.